Salut l'internaute. Ah bah, avec sans mes lunettes, c'est quand même mieux. Oh putain, la gueule. Salut l'internaute. Nous sommes le 26 mai 2018 et aujourd'hui est une journée historique en France. Pourquoi? Parce que différents syndicats, associations, mais aussi partis politiques, mouvements politiques, appellent ensemble à se manifester contre les politiques antisociales et écocides du gouvernement Macron et de son monde en général. Cette marée populaire, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, a lieu dans toutes les villes de France, petites, moyennes et grandes. Je suis aujourd'hui à Annecy et on va la vivre ensemble. Alors moi c'est Bonnet Patrick, je suis membre d'Attaque, oui. Je suis aussi CRHA et également Insoumis, tout ça. Ouais. Et je suis avec les copains de la CGT, je suis content qu'il y ait des gens du NPA, de tous les mouvements pour réussir enfin à converger ensemble, d'établir... parce qu'avec Macron on n'a pas le temps, il faut que ça bouge. Hein. Sur un marché au Nigeria, paraît qu'il y a eu un attentat. Quand ça bombarde en Syrie, c'est loin, on n'entend pas les cris. On n'en a pas beaucoup parlé, c'est normal, il n'y avait pas de français. Tu me disais tout à l'heure que c'est la première manif que oui. tu... Mais c'est oui, fou, donc toi t'as 44 ans, hein, je crame pas, oui, je spoil pas. Non, non, y a pas de soucis. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu manifestes? Moi j'ai commencé à être aide-soignante à 19 ans. J'en ai 44. Et j'ai vu la santé se détériorer au fil des années, ça c'est vrai. Mais là, je sens que mes patients sont en danger. Donc c'est la dernière limite. On m'a poussée. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui est très violente, ça se voit, je me suis dit, je vais aller manifester. Et comme j'ai vu qu'il y avait une bonne ambiance, je pense que je le referai. Bon, moi mon nom c'est Gilles Perret, je suis réalisateur de documentaires, mais là j'interviens au nom de Citoyens Résistants d'hier et d'aujourd'hui, qui est co-organisateur de la Marée Populaire à Annecy. Pourquoi je suis là? Tout simplement, comme beaucoup de gens, c'est que je crois qu'on est là pour manifester contre, pas Macron, mais en tout cas ce qu'il incarne, c'est-à-dire cette vision élitiste, cette vision de la société très individualiste et basée uniquement sur la réussite matérielle, où les causes environnementales et les causes sociales sont toujours niées. Et moi, à titre personnel, je suis fatigué de ce mépris pour les gens et ce regard de haut et cette société qui veut nous imposer, qui est l'inverse de la société qui était prônée par le Conseil National de la Résistance, qui était une société basée sur la solidarité, basée sur l'entraide, et nous faire croire aujourd'hui que cette société qui a été construite au sortir de la guerre, à un moment où la France était ruinée, ne serait plus possible aujourd'hui, c'est quand même nous prendre pour des imbéciles. Donc je crois que c'est important de venir le dire, puis surtout de le dire dans la joie et la bonne humeur, tous ensemble, pour montrer qu'on n'est pas que des grincheux, mais qu'on a envie de construire quelque chose, et pas uniquement en réaction à ce que ce président mal élu, ce président des riches, veut nous faire croire. Je m'appelle Chiara Loison, j'ai 16 ans et je suis au lycée. Je suis là pour manifester comme tout le monde contre Macron parce que évidemment on sait tous qu'en ce moment il fait des réformes, il fait des lois, il pose des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Il ne fait qu'enfoncer la France depuis qu'il est au pouvoir. Les riches passent avant tout, nous on est là, on se retrouve dans la merde. Les jeunes, on n'a rien pour nous. Honnêtement, moi ce qui me fait chier c'est le Parcoursup. Parce que honnêtement, on a tout le droit d'avoir un avenir, qu'on vienne d'un milieu populaire ou je sais pas, qu'on soit pauvre, riche, qu'on soit arabe, juif, blanc, noir, tout le monde a le droit d'avoir l'étude qu'il veut et le droit d'entrer dans la faculté ou l'université qu'il a choisi. C'est la réforme qui te fait le plus bondir toi, quoi. Ah ouais, parce que moi forcément c'est ce qui me concerne.
enfin comme mes amis du lycée quoi, on a envie d'avoir les études qu'on veut. Alors moi j'ai entendu il n'y a pas très longtemps qu'il avait fait passer une loi comme quoi déjà l'âge sexuel maintenant légal était de 13 ans, que les agressions sexuelles étaient en fait libres on va dire parce que ce n'est plus un... C'est plus un crime, c'est un délit. Voilà, exactement, tu vois, et genre je suis contre. Il y a des milliers de femmes, on pourrait même dire des hommes aussi par jour, qui sont agressés parce que ils sont habillés de telle façon, parce qu'ils se comportent de telle façon, et c'est des choses qu'on ne devrait pas laisser passer. On est là, moi en tout cas c'est pas la première manif que je fais, et à chaque fois qu'il y a une manif qui me paraît importante ou qui vraiment nous fait bondir par rapport à certains trucs, et on se doit d'être là pour manifester et pour prouver qu'on n'est pas d'accord par rapport à ça. L'argent, il est ailleurs, il est dans les profits exorbitants et la spéculation. Ne nous bagarrons pas entre nous. Julien Auger, je suis membre de la France Insoumise. Ce qui est particulier, c'est qu'on se prend pas la tête pour savoir pourquoi on vient manifester. On vient manifester pour faire tomber Macron, pour lui faire payer toutes les souffrances qu'il nous inflige, enfin qu'il inflige à tout le pays. Et donc on lui plante des aiguilles, parce qu'une petite aiguille, un petit coup d'acupuncture, ça sera toujours moins violent que ce que lui fait subir aux petites gens. Paulette Poirot. Je suis là pour soutenir absolument toutes les corporations. Je n'ai pas d'étiquette politique obligatoirement. Je suivrai juste celui qui bouge parce qu'avec le gouvernement, le système Macron, on est en train de tous mourir les uns après les autres. On va tout privatiser et on va. J'ai pas d'avenir ni pour mes enfants, ni pour mes petits-enfants. Et ça me terrorise. Comment je t'appelle ? Chloé. Hey, tu as quel âge ? 15 ans. Et du coup, tu es au lycée ? Oui. Et pourquoi tu es là aujourd'hui ? Pour mes études pour plus tard, pour que ce soit plus simple, parce que j'ai entendu que... Parcoursup ? Ouais. Certains élèves qui sont très bons on sont refusés partout, du coup... Si personne bouge, ça peut aussi rien changer et compliquer pour moi plus tard. Tous les travailleurs sont menacés, tous ensemble, ripostons. Mais on est là parce que plus il y aura de monde pour s'opposer à la politique du gouvernement, comme le font les cheminots en grève, plus ça pourra renforcer le camp des travailleurs. Voilà. Donc on est venu aussi quand même pour dire qu'on ne place pas nos espoirs dans un nouveau... potentiel candidat de gauche qui changerait quoi que ce soit. On pense que l'avenir, c'est la lutte des classes, la lutte des travailleurs pour leurs propres revendications. Bonjour, Catherine Walter-Solos, je suis Europe Écologie Les Verts, je suis enseignante. Je suis là parce que je trouve qu'on va vers un monde d'iniquité, que mes conditions de travail deviennent de plus en plus désastreuses et que j'aimerais plus de justice et de solidarité et qu'on fasse aussi attention aux conditions environnementales qui sont aussi liées aux problèmes sociaux, de près ou de loin. Il y a des gens qui sont rien et d'autres qui sont des premiers de cordée. Alors on a aimé cette aiguille ou pas ? Oui ! Je m'appelle Karine Piquet-Dard. Mon travail, je suis psychologue mais je suis aussi chef d'entreprise. Oui. Et je représente le mouvement Génération.S. Donc le mouvement de M. Hamon ? Le mouvement de M. Hamon, effectivement. Et donc je suis ici parce que il me semble que c'est important de remettre l'humain au premier plan. Et il me semble que la politique actuelle, elle valorise en premier l'argent et pas l'humain.
administratif au centre hospitalier Alpes-Léman à Fanrol. Hôpital public. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Et je suis là parce que les conditions de travail sont catastrophiques. Mon pays part en couille. Je suis très inquiète, très en colère. Et pour vous, quel est, si on doit synthétiser la raison, le problème, la brèche? Ah bah, c'est simple, où va l'argent? Répartition des richesses. Soit on donne les sous à des gens qui ne travaillent pas, les actionnaires, soit on le donne pour des services publics, c'est des choix politiques. Voilà.